Cher ami internet, na pesi bino mbote, ba ono surtout balanda ka Fleur Monde HD, yande kona biso demba we mo, mwa se mandefu, ba baza ka yemo na Paris, na pesi bino mbote bisika bozali, lilo toza bongo na restaurant ou bouzou na ville na Courneuve, na mairie ya Courneuve, na ero kanga bongo deboul na maladjer na ye. Donc deboul nenga za boye, aze souye mo rote akoum na mana, akoum na manager na ye, akoum na organisatrice na ye, akoum na productrice naie na ba owa zola la debout déjà aza déjà occupé na pesi ba mbote na nga na staff mobimba ya la team wata so nota la déjà bon nota la déjà gilo vakala la pesi mbote siko zali na pesi princile ali mama paradis kuna na Congo na pesi na mbote bisika bozali na pesi sumbote na leader ferré papi ons ba mbote bisika bozali sans plus tarder tokota mona kacha sije na biso parce que debout abi li yanzinde ezo cartonné. Bonsoir debout. Bonsoir, gloire. Bonne santé. Ouais, santé pépère quoi. Toujours l'icolo quoi. Toujours l'icolo. En mon cas, ma vidéo, ma réseaux sociaux, ma camarade est indéniable. Ouais, ma ramopéné est un peu sérieux. Ma ramopéné est sérieux parce que mon carrière n'a pas depuis na débutant en Kinshasa, Tina comme une Europe, l'élo. Et ma tête belle, pena ma no calculant minité parce que ma mopé n'a rien pu occuper dans ma bibélé. Mais là, ma n'a pas pena chaud quoi. On a toujours mis ça en plus on a soirée mobouy ils ont le 31 décembre donc balandanga parce que n'a manitou n'a pas promotion à Lianzi. Ok déboule par rapport à Masola Lianzi pour y a une cas en actualité évolution à Lianzi évolution dans monde des okende est-ce qu'il y a un monde bande causer là tout ils en a moins et l'eau mobouy. Ouais évolution Lianzi na ndé mi ki na zé évolution Lianzi. Non évolution Lianzi bandé bimi ki ezo betama ezo talama bato azo yoka. Ouais en fait Lianzi ndé za boy bato beli batali ngoté parce que bato tout bato msou ba mingi mingi ba surpris ya kokuta na clip na ngai mais ningi pena to me ma promotion nango. Donc qui promotion pena ma lembe. Donc qui promotion ma lembe jusque là na calé na côté Kinshasa parce que Kinshasa c'est un pays où yonga na koli. On a botami après à en Europe on ciblé sur Paris malem toya pena malem ba boîte ya Paris ba tout en plus on ciblé ba communauté belé parce que ça lingala mais musique on a en ngo na mélodie wana ça veut dire que ba te belé ne tu attends na restaurant ya Jenny aza au grandeuse tu vois qu'azo une c'est plané yanzi makasi tu vois ayo ka kutu lingala te mais alors bah quand français na lag na bango mais au senti qu'il y a zip na restaurant na bango a bébé tout le temps donc on a bougé la promotion on a soutien pené à mingité dans un manager en plus Jenny as la première productrice il y a soirée où il y a bébé tanga depuis notre musique liance donc tabani on vous a Jenny Evans. Ok ouais c'est quoi toko tana deuxième question abisso où est-ce Gaga où est bien d'in. Ouais Wizzy Gaga ça artiste opé je l'apprécie beaucoup même. Je l'apprécie beaucoup plutôt. C'est un mec qu'on s'est rencontré ici en Europe. Vraiment, Azaki, trop cool avant là. On s'est vu, les gars, ils voyaient que je faisais la musique. Ils me disent, ouais, voilà, gars, tu fais bien la musique. Pourquoi pas, on peut se mettre ensemble. De temps en temps, on se voit. On a tout développé. Dans mon appel, que, ouais, les gars, ils parlent bien. C'est un mec qui résonne bien. Tous les j'ai participé à la studio. On est cool avec les mecs, franchement, Wiz Gaga, coup de chapeau. Mais il paraît que comme Laura moi rando yo soye mbana lingala yo soye mbana na français c'est comme si polémique mo ils ont secret na okotana na détail té parce que na information na nyo sauté mais ngena yeba vraiment relation na bino eza à bon terme to ngeni parce que ba comparaison comme déjà yo leki na yo vraiment place en rôle bané. Non ngalo bena musique non be tango sauté que moi je suis plus que quelqu'un, que je chante plus, que je rappe plus quelqu'un et tout, qui n'a plus doué à ma gamme. Non. Quelqu'un t'es Wizzy Gaga. Wizzy Gaga, donc, tu as vu, mon gars, c'est important à moi, et de Yaza Moutoumou, que je le respecte beaucoup. Tout ça, il y a un moment des arts dans ça dit que ce artiste est mort, il y a un buzz. Ça dit qu'il va tout touper. Il faut pas zanner kaka. On a essayé la pika kaka, non? Système à tindiga chakal. Va tout tout bamona, c'est ça. Ou l'eau, parfois, il y a un congolais, mais il y a un salamou. Son n'inga zan a un buzz, un succès. Pour moi, il y a jalousie, mon boy, moi, approcher à tes, mon côté, ma futilité, mon boy, inutilement. Et pourtant, se rapprocher, écoute, bah, mon yonaye, ils appellent yopé le sousou. Tu vois, ils auront Wiz Garanangaï. Ça dit qu'il y a un bingada depuis ka, nazalara déjà, il y a Zouya Sika. Ça dit que Monique était Mbiaka Moazalaga, n'a pas de temps de piquer.
bah négligez pas mon tout on sait jamais parce que hasard n'a pas raté faut toujours aller bien abattre c'est ça ouais ok des boules voilà vraiment stuff y a Salvatore à papa chéri j'ai bien pendant la personne déjà en beauté si Gozali des bouliers yo tout ça n'a besoin y a bas producteur des boules ça n'a besoin de producteur pour nous soutenir bas single naï hasard bas single est belé mais hasard n'a besoin y a producteur pour la stuff y a Salvatore à papa chéri nous avons déjà Galoanzo ka icon namoni Brésil kabouikou namoni Fosqué bah Loma Deboul, un tout dernier question avant tout soit manager nayo un tout dernier question pourquoi osez continuer ko yemara na lingala non moi si aujourd'hui je continue toujours à rapper en lingala c'est parce que le lingala c'est ma langue c'est une langue que j'ai connue depuis que je suis petit donc pour moi c'est la fierté du Congo de ramener un peu le lingala pour que ça fasse une différence de la musique et de langue en fait. Parce qu'aujourd'hui les gens ils comprennent pas. Moi je suis pas né en France. Et je peux pas rapper comme Booba, comme La Fouine, comme quoi, comme qui et tout, MHD. Il faut que je ramène mon identité. Et mais je peux mélanger le mot un peu français pour que ça fasse un peu. Il y a d'autres gens qui comprennent pas le lingala. Il va même deux lignes et tout, tu vois, en français. Mais mon identité c'est le lingala. C'est ça qui va faire ma différence ici en France. Et c'est ça qui va faire maintenant mon identité aussi. Qui va se faire apparaître mon identité. Et ça complexe, il y a lingala, tu es tout le monde à ça complexe, lingala, donc tu lingala est comme langue, il y a complexe, c'est ça complexe. Non. D'abord, moi d'abord, je me débrouille pas mal en français. Je parle français parce que Magui, c'est pas ma langue. J'ai fait des efforts quand même pour parler. Mais tu vas pas voir un français qui se fait des efforts pour parler le lingala. Ouais. Ça veut dire pour moi, d'abord, le complexe là, je le calcule même pas. Moi, je vois la musique. Ça veut dire qu'il est agréable à l'oreille. C'est-à-dire que mon idée de ramener la bonne musique pour les gens qui aiment la musique, c'est ça le beat pour moi. Tu vois, et nazaté que notre complexité à lingala ou quoi que ce soit. D'abord non, les autres monde américain jamais mon américain aimé na lingala. Jamais mon français aimé na lingala. Et pourquoi mon français, si moi je chante en français aujourd'hui, on va me dire ouais, j'ai fait la musique internationale. Non, il y a pas la musique internationale d'abord. Il faut pas rétifier à côté on a. Il y a la musique. Ça dit que tu ramènes ta langue na mon artiste belim soit imba mbo na mbo na mango. Et zo beta. Et pourquoi pas lianzi? Donc lianzi le moi je dis Lianzi, dès qu'il y a d'autres radios, ils vont prendre ça d'ici et le télévision d'ici. Les gens vont comprendre maintenant parce qu'on n'a pas. L'utilité. Vont comprendre maintenant l'idée de quoi. C'est quoi le lingala? Aujourd'hui, il y a d'autres gens m'apprécient quand je parle. Il y a d'autres gens que je croise même dans la rue. Mais dis ouais, Deboul. On a vu Lianzi. Franchement, c'est une belle clip. Ça, t'as bien rappé, t'as un bon flow. Mais tu dis, mais c'est le lingala, tu vois. Il comprend même rien. Mais il y a des qui non. Non, comme dit DJ Bobo, mon DJ qui a si quoi. Oui, les DJ qui cartonnent. Ouais. Moi je ne parle pas DJ. Moi je ne parle pas français. On a bit DJ au azo cartonné micro na Paris Kangi Paris Mikolo. Donc ça DJ Nasi, on dit beau travail dans non. Au travail ensemble. Ouais, on va travailler avec DJ Bobo, c'est parmi vraiment du DJ Oyo. Bah, les gens ils vont voir mes spectacles. Mes showcases, ils vont voir que je serai avec DJ Bobo, ils vont voir vraiment que ça sera du bon taf en fait. On va ramener vraiment du vrai rap et le lingala, du chant. Parce que Lolo, j'ai changé un peu. Avant, j'étais trop rap game et tout. Mais aujourd'hui, j'ai un peu changé un peu. Devenu un peu polyvalent en fait dans le style. Dans le rap, en fait. Dans le style en fait. Dans le style, en fait, de ramener un peu de l'afrobeat, de ramener un peu du chant, de la rumba. Je mélange tout en fait maintenant. C'est pas que du rap aujourd'hui. Ouais. Yann Loba, tous les gens qui connaissent Deboul, franchement, je vous demande de me suivre dans mon Instagram, dans mon YouTube. Venez, Magué le lingala, même si vous comprenez rien, écoutez juste la mélodie. Vous allez voir que le mec il a du flow. Ah ouais, un petit like ça fait du bien. Ah merci madame, t'as bien parlé. Merci Dembo. Merci. Moi été. Merci. Oui, là, en français, ma bien a dit qu'il va te porter l'émission. Les gars ils vont me critiquer. Ouais, les gars ils parlent mal français. Hey, DJ Bobo. Casse-toi les gars. Eh non, moi je parle.
ce que j'ai appris à l'école et ce que j'ai appris ici, je me débrouille, c'est avec pas ma langue et je parle, c'est ça. Même si je fais des erreurs, même si je fais des erreurs, ça ne me regarde pas. Ouais. Pourquoi je fais des efforts? Parce que vous me faites des efforts de parler, les gens me critiquent. Que de faire rien. Que de faire rien, tu ne parles pas, les gens me voient comme si toi, tu es fort rien, tu vois. Et comment je vais parler avec tous les rappeurs que les gens ils voient aujourd'hui c'est en France capté. On se voit, on se parle et tout, on se connaît, c'est ça. Okay. Merci beaucoup. Mes salutations à DJ Bobo. Merci au Koutana Bongo le 31 décembre. Merci à nos programmes. Ouais, le 31 décembre, ça sera le feu. Nana benga yo princesse, nzoka guno bimagande bula. Nana sino mayo marraine, nzoko kota kawenza bitula. Ndeko zanga koyeba koya kulia biloko epola. Donc le 31 décembre, ça sera le feu avec Jenny Vance, DJ Bobo et je t'invite aussi Dembo. Ouais, je t'invite Dembo, viens vraiment, gloire, les jours là ça sera le fait. J'invite toutes les Congolais, tous les Congolais, toutes les belles filles, toutes les mamans, venez, ça sera une soirée pour le fin de l'année. Tu vois, merci. Et ça la biso bien, bah oh bah landa, oh bah yoka bonne musique, boya. Vous suivez un gars, vous avez un gars congolais, parce que vous avez un gars. Mais vous avez un live, vous avez un gars qui a semi-live. Ça veut dire que vous avez un guitariste, un bon soliste. Si vous avez un gars, micro. Si ah ouais, je serai comme ça. Il débloque comme ça, un faible pardon. Mais vous tombez amoureux, vous n'avez pas mal, vous avez un bon aussi. Ah ouais. Au petit adresse, s'il te plaît. Oui, adresse, c'est Zaline en flyer. Attends, je vais voir. Adresse, c'est Zaline en flyer, je vais voir. Adresse c'est Ali. DJ Bobo, t'as pas l'adresse là? 79 boulevard. 179 boulevard des Serruriers. Ouais. Où ça? Paris 19. Ah, okay. J'espère que bah, nous aurons. Ouais, on va mettre même le flyer sur l'émission. Ouais, bah, nous aurons surtout dans les réseaux sociaux, ouais, le flyer, j'espère. On va mettre et tout. Prochaine émission, publicité au Leka, ouais. Publicité au Leka déjà. Ouais. Bon, ça va coordonner surtout le numéro de Zawana. Ouais. Bah, tout surtout, bah, on va rejoindre ici Kayango. Bon, ben, il y aura un numéro où est affiché. Où est affiché dans la vidéo. Il y a 06 13 28 85 74. Bon, ben, il y a un an à co-diriger bino vers soirée et Sika et Ko Zala. Déboule un mot de la fin pour la fin de l'année avant tous vos managers. Non? Ouais, mot de la fin. Je demande juste la soutien, de me soutenir. Je n'ai pas de producteur, mais j'ai un manager. J'ai besoin vraiment beaucoup, beaucoup de soutien. Vraiment, venez me soutenir, les 31. Vous êtes au talent de Congolais. Et suivez-moi dans toutes les réseaux sociaux, Instagram, WhatsApp, Facebook. Mon page aussi Facebook, Déboule, venez. Vous soutenir, gars, je suis là. Juste un simple personne qui a ramené l'Ianzi. Boya boyo quand on peut en live quoi. En plus, on peut s'embêter dans le manager parce que j'ai un manager, Jobera. Les gars, c'est vraiment un bonbon. Jobera, coup de chapeau à toi, mon frère. Toujours ensemble le 31. Même le samedi, d'abord, on va se voir avec toi et le 31, ça sera un truc de ouf. Donc, non, en plus, je vais vous dire que parce que je suis en train de faire. Ça veut dire que moi, dans le rap ici, il y a tout le monde au le rap français, presque même Booba et Binga. Okay. Bouba, Awa, Ibinga, il connaît cette visage et tout, qui est un mec qui rappe à Lingala. Donc il y aura des wesh, des jours là, ils vont venir me voir, Boya, Boutala, il dit vrai game Lingala. Ah, ok. Ouais, debout, entrée, ils ont des gratuit. Bon, prix vraiment, tu as un flyer. La prix, tu as un flyer, ils ont un faux là. Prix, non, vous décidez. Ouais, tes prix, ils ont un haut déjà, mais professionnellement, vraiment. Bah on a flyer pour la mission dans le bien bon monsieur Robin c'est bon les gens loin mais bang ici vous mettez pas mon flyer pour passer plus ma casse à y avoir ta concert quoi. Ok ouais, bonsoir Jenny. Bonsoir Babi Yonde, manager il y a deux boules. Ah oui, je suis la manager de Deboule. C'est moi, je suis l'organisatrice de la soirée du 31 décembre. C'est là où Deboule il va chanter pour son public, pour tout le monde. C'est moi alors qui organise ça. Voilà. Conviction et la motivation aux yeux on dingi ni pona ba moka deboule au PC confiance na soirée na azala.
Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Debout pour le 31 décembre? C'est son clip, Lianzi. Quand j'ai vu Lianzi pour la première fois, c'était avec Debout ici. Il était de passage. Alors il a passé son clip. J'ai regardé, j'étais waouh, j'étais ébahi. Là, vraiment, j'ai aimé. Je lui ai demandé, est-ce que tu prépares des concerts? Est-ce que tu peux faire avec nous? Là, Debout, vraiment, directement, il n'a pas hésité. Il a dit oui, pourquoi pas? C'est ce que j'ai aimé chez lui. Donc, c'est vraiment un garçon actif, un garçon vraiment qui veut avancer, qui aime vraiment sa musique. Okay. Donc pour na yo esa clip na musique na yo de convaincre yo que o invité na soirée na yo. Vraiment c'est le clip Lianzi. J'aurais pas vu Lianzi, j'aurais pas continué. Okay. Il a directement mis son clip, j'ai aimé vraiment, il y a du professionnalisme, il y a tout. Là directement j'ai décidé vraiment de travailler avec lui dans la soirée du 31 décembre 2018. Okay. Voilà, c'est ça. Ouais, Bakinois, ba Congolais ça. Hein, ba Congolais, ba Congolaise, de bomona Jenny zané Congolaise. Ce n'est pas une Congolaise, aza Congolaise mais mon maman des alara. Bango ba kotsi makambo yo. Ba talibanda ba kotsi makambo yo, ba pesi Debout confiance. Bon combien bino ba namboka. Hein? Exemple Liboso, Congolaise te mutu azo ko inviter na soirée. Aza mupaya. Hein? Mupaya na Afrique te mais mupaya pona biso ba Congolais. Jenny Lilobasuka pona bato wala d'émission yo. Hein? Bato wala d'émission yo, o pesa bango maloba. Ndenge soirée ko leka ou obenga bango soki ezandeni. Voilà, donc là je profite de l'occasion vraiment pour inviter les gens, pour vraiment motiver les gens à venir dans la soirée de Debout, la soirée que j'organise le 31 décembre. C'est un réveillon du nouvel an. Nous allons commencer à 14h. À 14h le 31, donc c'est à dire il y aura de la bouffe, il y aura à manger à gogo, il y aura à boire, il y aura de la musique, il y aura un DJ avec le DJ Bobo. Notre DJ, le DJ de Paris, le DJ Bobo, vraiment c'est un DJ aussi qui a du professionnalisme, oui. Que vraiment j'aimerais faire aussi la promotion ici. Donc ça va commencer à 14h, oui. Avec notre DJ, de l'ambiance musicale, il y aura à manger, il y aura à boire. Donc on va continuer. Alors ça sera après Debout qui va se produire pour continuer l'ambiance vraiment de la soirée. Nous irons jusqu'au matin. Voilà. Ok, merci beaucoup. Vous pouvez nous donner l'adresse du restaurant ici? Ah, ici où nous sommes assis, c'est mon restaurant. C'est à la Courneuve. Le restaurant s'appelle Ougouzou. Ougouzou, c'est dans notre langue, ça veut dire beaucoup de choses. Donc c'est la joie surtout. L'accueil positif au Ougouzou. C'est à la Courneuve à 63 rue de la Convention, juste dans la cour du Franprix, la cour des maraîchers au numéro 17. Donc vous prenez le tram 1, la station c'est Hôtel de Ville de la Courneuve. Là directement vous sortez, vous êtes dans la cour du Franprix. C'est là où se trouve le restaurant Ougouzou. Voilà, donc j'invite les gens à venir manger. Là, on prépare des produits. On a des produits exotiques. On a du l'eau manger. Donc la nourriture, c'est de l'Ouest Afrique, de l'Est Afrique. Donc de partout. Pour toutes les Africains. La soirée, en fait. Pour toutes les Africains. Là, ah ouais, nous sommes déjà. Tout ça déjà dans la émission à Bissot déjà. Donc, il y a un restaurant à Courneuve. Après, restaurant, il y a aussi là.
79 boulevard Serrurier 95-19, donc à Paris. Donc, vous c'était droit d'entrée, pré-vente en fait. Ceux qui ont bien réservé, ils en ont 10 euros. Mais ceux qui ont commis sur place, ils ont 15 euros pour na moutoum encore. Donc, des boules à Bengibino, Boya et Bélé, Tala Moupaya, à l'Axibiso, exemple, Ayo Karabiso, Pelingarabiso. Donc, Biso Moro, si vous photo pouvez, Bango, Yaza ya biso donc to la sango ka biso ni bakolo mabele donc na invité bino déjà to kum na suka ya emission na bi ya ya biso donc na pesi wa mbote na pesi na ba merci na ba tous surtout balanda Flairmond HD bo continuer toujours ko s'abonner parce que ba merveille eza ebele donc to komi na esika yango o mo lobaka esika to ndo luka esika to ndo luka to ndo luka Tuanda luka nini? Tuanda luka to komi deja? To komi... Kata miziki? Kata miziki zebu soti? E sika yango tuanda ko luka, to komi yango deja. Donc to komi deja na, na masolo yango, ba merveille eza ebele. Na pe sika ka, bambote na bato sotu balandarangai. Na souhaite bon anniversaire na Diogo Lateral, mon fils adoré. Donc, joueur wazo kartone mikolo na Katia Lukunga, Edvika Bongo, mwana ya mama Dembawe mo, nou mwenye ap. Soma samandefu azara imo na katsa pare na pesi mbote na mama na ngai njo Sabina waza bongo mama soda azapi na Kishasa na pesi mbote na grande sœur na ngona lingara mingi Eliane Ochudi motema ya Fernando sanga dakuna vena ngai akati pa jongenda l'ami de tout le monde motema ya Bibish Kapika na pesi sutagi makwiki la bambote sika zali malgo bwa singa me bambote ya trop siko zali na pesi DJ Bobo na bika matches à suivre to solo na ninga chabwala Tukutani bomba la sima, bosa boni, na Flairmond HD, masola bien zali kitoko.